Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Quoi? En essayant de te sauver? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit de ne pas te mettre sur mon chemin. Et te voilà encore. Et maintenant? Je suis prisonnier avant d'être tué? Tu as tout deviné. À moins que je change d'avis et que je vienne te tuer tout de suite. Mais avant cela, dis-moi ce que tu sais. Je croyais que tes adeptes te disaient tout. Apparemment, tu es de leur côté, mais ils ne sont pas du tien. Tu crois qu'ils se servent de moi? Alors prouve-le. Montre-moi que je suis dans le mauvais camp. Je te mets au défi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout ce que tu prétends être vrai. Mais ensuite, je te tuerai. Pourquoi m'a-t-on abandonné cette nuit-là sur la montagne? C'était la prophétie de la pitié. Les efforts ont déclaré qu'il n'y avait pas d'autre choix. Une prophétie. Toi et moi savons très bien qui dicte ces paroles à la pitié. Moi, oui. Un nourrisson au destin si funeste qu'on le jette d'une falaise. Quel genre de prophétie peut mener à ça? La pitié a dit que tu ferais la grandeur de Sparte, ou que tu la mènerais à sa chute. L'enjeu était trop élevé pour prendre le risque. Un risque? Je sais, on te dit imprévisible. Je me considère déterminée. Et vous avez manqué de détermination cette nuit-là. Vous, ma famille, vous m'avez abandonnée. Abandonnée? Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé sur cette montagne. Alors dis-le-moi. Notre mère t'a suivie. Comment cela elle m'a suivie? Elle est descendue de la montagne pour te trouver. Il fallait qu'elle te sauve. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé en bas? Elle t'a amené à un prêtre pour qu'il te soigne. Mais il lui a dit que tu étais morte. Je n'étais pas son seul enfant. Tout n'était pas perdu. Non, tout était perdu, justement. Nous n'avions plus rien. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ignores tout de ce que j'ai dû faire. Écoute, après ta chute et celle du Géronte, on m'a jeté aussi du mont Taygetos. Père a laissé faire. Par devoir. On t'a abandonné, toi aussi. Oui. Mais nous avons survécu, malgré leur volonté. Oui. Nous sommes en vie. Ça leur apprendra, peut-être. Deimos, nous avons cherché partout, et tu es là. Dans ce cachot. J'ai entendu des cris. Ce n'est rien. Pars ! Sur le champ ! Tu n'avais pas à venir ici, jeune fille. Je ne suis pas ton pantin. Et tu n'es pas mon maître. Bien sûr, championne. Pardon pour ce manque de considération. C'est par ta faute que tu t'es retrouvé ici. Je n'en ai aucun souvenir. Comprends que c'est pour le bien d'Athènes, Alexios. Périclès aurait causé la perte de toute la ville. Le peuple vivait dans la misère. Alors, tu l'as fait tuer? Il faut casser plusieurs œufs de caille pour trouver le plus beau jaune. Il nuisait à la cité. Faire tuer tes adversaires en dit long sur ta nature de chef. Oh, je n'en suis qu'à mes débuts. Dommage, tu ne verras pas la suite. Entre dans la cellule. Tu es venu me tuer, n'est-ce pas? Voyons ce que tu sais faire. Malheureusement pour moi, j'ai d'autres incendies à éteindre. J'ai entendu parler d'une révolte. Déjà? Ça n'a pas tardé. J'ai une solution. Les morts ne peuvent pas se révolter. Je te vois mal tenir tête à une bande de rebelles si tu refuses d'affronter celui que tu as devant toi. La décision ne m'appartient pas. Elle est le fruit d'un vote. Je te l'ai dit, le peuple m'a accordé sa bénédiction. Je mets en œuvre son pouvoir. Ce n'est pas ça la démocratie. La politique n'est qu'un jeu à tes yeux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai. Et je joue pour gagner. Crève, Cléon. Je n'ai rien ordonné. Le peuple d'Athènes a parlé sans que je lève le petit doigt. C'est comme ça qu'on mate une révolte. Il ne sait pas à quoi il a consenti. Tu m'as aidé à Athènes, de ton plein gré même.
Si seulement tu ressemblais plus à ta sœur. Dommage, oui. Le culte a gagné, Alexios. Bon, je dois aller m'occuper du bateau qui vogue vers Mytilène. La population va avoir une belle surprise. Tombé à pic. Intéressant. La mort est peut-être la plus grande bénédiction qui soit, en fin de compte. Ah, au moins vous avez essayé. Bien sûr, c'est l'intention qui compte. Les dieux soient loués, tu es vivant, Alexios. Il y a peut-être d'autres gardes. Je crois que nous devrions partir sans tarder. Attendez, il faut qu'on parle de Cléon. Socrate s'occupe de ce malacre. Nous savons ce qu'il prépare. Plus vite. Son équipement, Barnabas. Allez, viens, Barnabas. Alexios, retrouve-nous à la demeure de Périclès. Nous y parlerons de ce que nous savons. Non. Pas Athènes ici. Alexios, je t'en prie, aie pitié. Vous l'avez retourné contre nous. Ma propre sœur. Grâce à nous, Déimos s'est élevé. Elle est devenue immortelle. Vous avez fait d'elle un monstre. Alors, bats-toi à ses côtés. Apprends-lui. Tu retrouveras Déimos. Elle s'appelle Cassandra. Je t'en supplie. Ce monde est en miettes, Alexios. Et nous allons l'unir. Silence, Sharon! Je suis désarmé. Aie pitié. Tu vas mourir. Comme tu as vécu. Comme un lâche. Ce n'est pas fini. On se souviendra de tout ce que j'ai fait. Visse ça au grain de sable. Mon enfant, tu es resté absent si longtemps. Brasidas est mort. Non. Déimos l'a tué au combat. Et qu'est devenue ma fille ? Cléon a tiré une flèche dans le dos de Déimos. La blessure ne m'a pas semblé mortelle. Elle est peut-être en vie. Malaka de Cléon ! Je vais le tuer, de mes mains ! C'est fait, mère. J'ai déjà envoyé ce serpent jusqu'au Styx. Ma famille... Il ne me reste que toi. Mère... Il y a une chose que je dois faire. Je dois aller au mont Taygetos. Là où tout a commencé. J'ai passé ma vie à fuir et à me battre. À fuir mon passé, à me battre pour oublier. Il faut que ça cesse. Mon cœur s'est brisé sur cette montagne.
Il faut que je tire un trait sur cette nuit. Une fois pour toutes. Je vais venir avec toi. Cassandra! Et au bord du monde, une mère appelle son enfant. Comme c'est touchant. Cassandra! Je t'en prie! Tu emploies ce nom comme s'il signifiait quelque chose pour moi. C'est le nom que ton père et moi t'avons donné. C'était avant ou après que vous m'ameniez sur cette montagne pour que j'y meure? C'était le culte! J'ai essayé de te sauver. J'ai tout tenté. Les prêtres m'ont dit que tu étais morte. Et ils m'ont dit que tu avais abandonné ta fille. Cassandra, viens, approche. Nous sommes ta famille. Rentrons chez nous. Famille. Chez nous. Ma seule famille est mon épée, et mon foyer le champ de bataille. Je t'ai promis de la ramener, mère. Mais le culte lui a empoisonné l'esprit. Tu as promis de me ramener, c'est ça? Ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Pourquoi tu ne dis pas la vérité à notre mère? De quelle vérité parles-tu? Que je suis l'élu! Celle qui a une destinée! Imposer l'ordre à ce monde. Toi, tu n'es qu'un mercenaire à la lance brisée. Tu n'as pas de destinée. Tu n'es rien d'autre qu'un instrument du culte. Merci d'avoir dit ça. Depuis notre rencontre, j'essaie de déterminer ce que tu es. Moi. Tu es une mauvaise herbe qui menace d'étouffer et de détruire tout ce que j'ai semé. Et pour détruire une mauvaise herbe, il faut la déraciner. Cassandra! Quand j'étais petite, j'ai trouvé un lionceau pris au collet. Mon ami a essayé de le libérer. C'est alors que j'ai entendu le grondement de sa mère. J'ai regardé, impuissante, la lionne mettre mon pauvre ami en pièces. Tu es mais morte, et mon destin m'attend. Je ne vous laisserai pas m'en priver. Cassandra, écoute-moi. Tu es ma sœur. J'ai essayé de te protéger autrefois. Et j'ai échoué. Mais je n'échouerai plus jamais. Appartenait à notre grand-père. Thank you.
nous tous, Cassandra. Alexios, merci. Il faut parfois porter un masque d'assurance, malgré l'incertitude qui règne derrière ce masque. La compétence ne se limite pas seulement à la force. Ça, c'est ce que disent les faibles. On va voir qui est faible. Eh bien, au moins, la famille est réunie. Je vais en chercher du vin. Huh?